ce matin à 6h30 devant la FNAC. Je me suis levé à 5h du matin et j'ai eu la motivation et voilà. C'est la première fois que je vais la voir. Je pense que la pression va monter quand je la verrai. Madame Stéphanie Maillard. Yeah, a lot of the French fans are really, they're involved in the online communities and they come out to the events all the way over in America. It's amazing. Everywhere I go, all these people are so excited to see me. I mean, it's a little bit embarrassing because I don't feel like I'm that exciting. And then I feel like, wow, they're really going to be bored. There were two huge challenges. One was that the book is 600 pages long. And so we had to shorten it. The other was to find an actress good enough to be able to play the two characters and make it feel so real. We were lucky because Saoirse Ronan exists. Leurs émotions sont puissantes. Si sa volonté a survécu avec ses souvenirs, elle résistera peut-être de l'intérieur. Est-ce que Mélanie est toujours là? Je lui ai dit qu'elle était juste géniale, qu'elle avait écrit les meilleurs livres qui puissent exister et que elle était juste incroyable et qu'on la remerciait tellement pour tout ce qu'elle avait fait. Ça fait 6 ans que j'attends de la rencontrer et c'est enfin devenu réalité. On ne réalise pas vraiment, c'est pas encore réel pour nous. Je pense qu'on va réaliser plus tard, mais là, on n'y croit pas encore en fait. Quand je lis l'univers de Stéphanie Meyer, donc que ce soit Les Hommes Vagabonds ou même avant la saga Twilight, ça me donne beaucoup d'émotions à travers ces livres. Ça que j'aime, c'est qu'on passe du rire au pleur et c'est extraordinaire. Il y a mon cœur qui bat comme si je vivais l'histoire avec le personnage et j'arrive à rentrer, à m'identifier très vite. Ouais. Nous avons été envahis par une autre espèce qui a éliminé nos esprits et pris possession de nos corps. Mais certains d'entre nous continuent de lutter. Je vais les éloigner. Mélanie, non ! Viens avec nous. Va au diable ! C'est super différent. J'ai mis beaucoup de temps à me mettre dans le livre parce que je voulais pas d'un remake. Et en fait, c'est tout aussi bien écrit, super prenant. Enfin, on rentre vraiment dedans tellement que je l'ai lu 2 fois de suite parce que j'en avais pas eu assez. Donc ouais, ça n'a rien à voir, mais c'est super, c'est pareil. J'ai regardé tout ce qui était possible de regarder sur le film. Donc oui, le trailer, je l'ai vu. Ça donne vraiment envie. J'ai hâte d'être le jour J. Et puis ça correspond quand même bien à ce qu'on voit dans le livre. Donc après, on espère que ça ira jusqu'au bout, mais non, ça paraît prometteur en tout cas. J'ai réalisé un de mes rêves, c'est magique quoi. Il n'y a pas d'autre mot pour... C'est vraiment magique.